Il nous a semblé que l'art religieux, je ne parle pas d'art sacré encore, était complètement absent de la culture de notre temps. Or, il appartient à son passé, et pourquoi n'appartiendrait-il pas non plus à l'avenir ? C'est notre grande question. L'art sacré est une aventure de tous les siècles. Nous avons, nous dominicains, pensé à cette belle page qui remonte aux années 25-30, où on a créé une revue qui s'appelait Art Sacré. Et si nous avons intitulé Art Sacré 2, c'est pour montrer que dans l'histoire de l'art et de l'art sacré, des renaissances sont toujours possibles. Nous voudrions aujourd'hui accompagner une nouvelle renaissance. Nous aurons dans quelques semaines, à Paris, la Foire internationale de l'art contemporain. C'est une belle manifestation. Moi, j'y suis allé à plusieurs reprises et j'avoue qu'à chaque fois, j'en ressors transformé. Pourtant, l'art sacré au sens religieux n'y figure pas. Donc, nous avons eu l'idée d'innover en créant cette année, de manière parallèle à la foire internationale et peut-être dans l'attente un jour d'y participer, de créer donc des manifestations qui montrent que l'art sacré au sens religieux du terme est très vivant aujourd'hui et à l'église Saint-Germain-l'Auxerrois, qui est une église prestigieuse, nous avons organisé des manifestations, une belle exposition faisant appel à des artistes contemporains, pas nécessairement chrétiens, sur leur création. Il y aura aussi des concerts, il y aura des conférences, des tables rondes. Bref, nous voudrions que l'art religieux se fasse une nouvelle place, étant une nouvelle aventure au sein de la culture de notre temps. Alors vous avez évidemment, l'art est une aventure sans cesse renouvelée, on aurait envie de dire une mer sans cesse recommencée. Nous avons des formes classiques et nous aurons dans cette exposition des objets classiques, des objets de la liturgie, des objets de la dévotion, mais nous avons aussi de nouvelles formes. Ce qui me touche dans notre projet, c'est que le vrai art sacré, c'est l'art qui touche au sacré en chacun de nous, et nous voudrions montrer qu'il y a chez des artistes vraiment appartenant à des confessions différentes, à des traditions même divergentes parfois, qu'il y a toujours ce besoin d'arriver à toucher l'intelligence peut-être, mais surtout le cœur, c'est-à-dire le sacré. Au sens étroit, l'art sacré, c'est l'art qui a fait appel à un sacré religieux. Il peut être chrétien, il peut être juif, il peut être musulman. D'ailleurs, je constate que lorsque dans ces diverses traditions, l'art touche au sublime, il y a des rapprochements, des comparaisons extraordinaires. Mais il me semble qu'on doit entendre art sacré dans un sens beaucoup plus large. Quelle est la fonction, quel est le rôle de l'art ? C'est de toucher gratuitement à ce qui est sacré à l'intérieur de chacun de nous. On a utilisé le mot sacré dans des sens très différents et je constate que dans une société sécularisée, par conséquent, où la référence à un au-delà ou même une transcendance s'est affaiblie, pour ne pas dire qu'elle a disparu, je constate que certains artistes, pour justifier leur art, ou plus exactement leur innovation, leur originalité, parfois même le choc qu'ils veulent provoquer dans la culture de notre temps, utilisent ce terme de sacré pour légitimer. Et nous revenons à ce que je disais à l'instant, à la définition, l'art, même dans ses formes les plus inattendues, les plus choquantes, vise toujours à séduire l'intelligence et à toucher le cœur, c'est-à-dire à ce qui est le plus sacré en chacun de nous. La culture, au fond, c'est ce qui permet aux gens de se tenir debout, si je m'en tiens à l'étymologie, mais aussi de rêver. Et c'est une chance pour nous
pour nous, association Art Sacré numéro 2, de faire ces premières manifestations à l'intérieur de l'ère européenne, car l'art a pour vocation de s'adresser à tout le monde, au tout venant, et pas seulement à une élite. L'art sacré s'est donné un double objectif. Un premier objectif, faire connaître le patrimoine religieux, chrétien, mais pas seulement chrétien, le faire connaître et le faire aimer. Le deuxième objectif, il est frappant de constater que depuis plusieurs décennies, il semble que les artistes aient déserté les chemins de l'Église, non pas pour rentrer dans l'Église, mais pour aider l'Église à exprimer son message grâce à l'art. Donc, le deuxième objectif de notre association, c'est de montrer à l'Église qu'elle a besoin des artistes et aux artistes qu'ils trouveraient un chemin nouveau à tracer à l'intérieur de l'Église. Nous avons la prétention d'ouvrir des portes, de tracer de nouveaux chemins et d'inaugurer une nouvelle aventure, d'où le terme de Art Sacré 2, une nouvelle aventure avec des artistes. Nous commençons par un ensemble, un petit bouquet de manifestations. Si vraiment ce que nous avons dans notre tête plaît et touche un grand public, à ce moment-là, nous pourrons ouvrir nos perceptions, nos manifestations. Et je voudrais pour ma part que des manifestations de ce genre aient lieu non seulement à Paris, mais en province, car faire admirer l'art sous toutes ses formes vaut évidemment pour l'ensemble de notre pays.